Je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'obtenir les véhicules des boss sans avoir besoin du médaillon, donc du code d'accès, pour y accéder. Par contre, pour réaliser ce glitch, il vous faudra être deux joueurs. Et il vous faudra aussi les pouvoirs de Magneto. Donc là, regardez, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un véhicule. Ensuite, je vais me mettre du côté de la grille, comme ceci. Là, le deuxième joueur va récupérer les gants de Magneto. Et il va se mettre du côté gauche du véhicule. Donc regardez, hop, moi je me mets dans le véhicule en tant que passager. Voilà. Là, le deuxième joueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser son bouclier, donc du pouvoir de Magneto. Il va utiliser son bouclier et il va pousser le véhicule en fait. Ça va faire traverser le véhicule dans la zone où il y a l'autre véhicule du boss. Donc maintenant, quand c'est comme ça, ce que vous allez devoir faire, c'est que le deuxième joueur va devoir rendre les gants de Magneto. Donc de là, vous allez devoir essayer de les récupérer. Là, j'arrive pas à les récupérer par contre. En fait, pour que ça fonctionne, il faut que le joueur soit au-dessus de la cage et que là, il lâche les gants. Normalement, ça devrait fonctionner. Ouais, voilà, regardez, si je saute, à un certain moment, vous allez avoir le bouton carré apparaître et là, vous allez pouvoir les récupérer. Donc ensuite, quand vous avez récupéré les gants de Magneto, là, vous utilisez votre bouclier pour faire ressortir les véhicules. Voilà, jusqu'à temps que vous y arrivez. Hein. Voilà, là, vous forcez le véhicule. Faites attention, hein, vous pouvez prendre des dégâts. Voilà, regardez, là, j'ai sorti le premier véhicule. Maintenant, on va sortir le deuxième. Donc, on fait la même chose. Hein. On pousse le véhicule avec le bouclier jusqu'à temps qu'il passe à travers. Et essayez de re-rentrer dans le véhicule en même temps parce que sinon, vous allez être bloqué à l'intérieur. Donc, hop, là, j'ai réussi. Vous avez vu, j'ai réussi à sortir avec le véhicule sans activer, sans utiliser le médaillon du code pour activer l'ouverture de la porte. Et maintenant, vous allez pouvoir utiliser le véhicule et en profiter. Donc, c'est un petit peu complexe, mais ça peut être stylé si jamais vous avez les gants de Magneto et que vous n'avez pas le médaillon. Ben voilà, c'est une petite astuce qui va vous permettre de récupérer les véhicules des boss sans utiliser aucun médaillon. Code